Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. Bonsoir, bienvenue au gala annuel du Sporting Club de Boxe d'Albertville. Grande soirée ce soir, car pour la première fois en Savoie, nous organisons un championnat de France féminine, professionnelle en toute dernière partie de soirée. Nous aurons effectivement 12 combats amateurs, dont 2 albervillois, et Melvin Louvion, premier combat amateur aujourd'hui ce soir dans la salle d'Albertville. Nous aurons aussi un combat professionnel avec un Italien et un Ukrainien. Ce soir, nous avons des boxeurs qui viennent de Suisse, d'Italie, de Picardie. Voilà, je pense que ce sera une bonne soirée. Très bien, ça a été un peu rapide, mais c'est cool de gagner par un KO technique. C'est mon troisième que je gagne par KO technique, donc du coup, c'est plutôt pas mal. C'est passé très bien, j'étais bien dans le match et tout. Je travaillais ça à l'entraînement et puis voilà quoi, on a fait le travail. Mon adversaire, il était bien préparé, il m'a mis beaucoup de difficultés, mais j'ai réussi à me débrouiller. Très bon combat, il finit assez tôt malheureusement, mais je commençais à bien me mettre en route, donc j'aurais aimé durer un peu plus longtemps, mais sinon c'était un très bon combat. Je l'ai touché au corps, dans les deux premiers rounds j'ai fait un travail au visage, au corps, je suis descendu au corps au troisième round, et le corps c'est un peu ma force, quoi. Je tape assez fort au corps, et donc j'ai touché sur un coup au corps et il n'a pas pu continuer, donc l'arbitre l'a arrêté. Dernière partie de soirée, aux alentours de 23h, va débuter le championnat de France féminine. Nous avons Maëlys Gandelhoff qui est d'Aix-les-Mains et nous avons Elodie Bouchakia qui est aux alentours de Perpignan. Maëlys va essayer de décrocher la ceinture, mais je pense qu'on va avoir un beau spectacle, aussi bien en amateur qu'en professionnel ce soir. Comme je l'attendais, très physique, je m'en doutais, je la connaissais Maëlys, je savais que ça allait être un gros combat. Je suis fier de la préparation qu'on a fait. Le résultat est simplement la récompense de mois de travail entier et intensif. Mais comme je dis, il faut être deux pour faire un beau combat. Et elle était là et elle était présente. Alors super bien parce que du coup les gens sont venus pour 8 rounds. Je m'attendais pas à ce que ça aille jusqu'à la fin. Et en fait ça allait jusqu'au 8 rounds et les gens jusqu'à la dernière minute ils savaient pas ce qui allait se passer. C'était génial, mais j'ai perdu, je suis trop triste. Je voulais la ceinture et je pensais leur offrir la ceinture et en fait, bah non, donc voilà. Mais j'en sors plus forte, j'avais jamais fait du round, là c'était mon premier du round, j'ai beaucoup appris. Et voilà, j'espère que je serai plus intelligente la prochaine fois. Plutôt que de rentrer au corps et de jouer son jeu, j'aurais dû rester un peu loin et j'ai pas été intelligente, tant pis, c'est le jeu. Je trouve que c'est un combat serré. Il aurait pu même arriver peut-être match nul, je sais pas. Après, Maëlys avançait, elles avançaient toutes les deux gladiateurs quand même. Et j'ai trouvé que c'était un beau combat. J'espère que le public a apprécié. Bon, le meilleur a gagné, hein, elle a gagné. Mais je trouve que c'était quand même serré. Ouais, je suis très fière parce qu'on s'est battu, mais c'était ouf. Comment on s'est battu, j'ai pas encore vu ce que ça donnait, mais. Ça devait être très très impressionnant et je suis très très fière d'avoir montré ça
Je sais pas combien on était dans la salle, mais voilà. On a montré à plus de 600 personnes que les femmes savent se battre, comme tous les autres êtres humains. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.